Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour parler aujourd'hui, vous l'aurez compris au vu de l'accessoire qui m'accompagne, et oui, ça va parler de samouraï et de Japon féodal. Alors avant toute chose, j'ai un aveu à vous faire, c'est que la PS2 c'est pas vraiment ma console de cœur sur la génération 128 bits. Moi à l'époque j'avais investi dans une GameCube, et c'est vrai que tous les gens à l'époque qui me parlaient de PS2, bah ça me passait un petit peu au-dessus, j'étais très content de mon sort avec mes exclusivités Nintendo. Pour autant, je fais pas un rejet total de la console, je reconnais volontiers qu'il y a des très bons jeux qui sont sortis dans sa ludothèque, et ça tombe bien puisque c'est d'un d'entre eux dont on va parler aujourd'hui, et pas forcément le plus connu d'ailleurs de la ludothèque, puisqu'il va être question aujourd'hui de... Genji, commercialisé en 2005 sur PlayStation 2, premier jeu du studio Game Republic. Alors on va commencer par un petit mot sur le studio justement, puisqu'il y a quelques petits trucs à dire dessus. Game Republic a donc été fondé en 2003 par Yoshiki Okamoto, qui n'est pas un inconnu pour les fans d'arcade, puisque ce monsieur avait d'abord travaillé dans le domaine de l'arcade justement. Il a tout d'abord été embauché par Konami en 1981, le temps de créer les cultissimes shoot Time Pilot en 82 et Gyros en 83. Excusez du peu, hein, c'est quand même pas les jeux les moins appréciés de chez Konami. En 83, il quitte finalement Konami pour se faire embaucher chez Capcom, qui venait à l'époque d'être créé, hein, c'était encore une toute petite structure. Et chez Capcom, il va bosser sur énormément de projets, sous divers pseudos, sous divers rôles, mais quand même des projets assez marquants, hein, puisqu'on le retrouve notamment sur Gunsmoke, sur UN Squadron, sur la série 19XX, c'est notamment lui qui l'a créé, hein, avec 1942 qui est sorti en 84, ça fait beaucoup de chiffres un peu bizarres à retenir, mais vous avez compris. Magic Sword également, j'en passe et des meilleurs, mais toujours est-il qu'au fil des années, il a quand même conçu énormément de jeux pour Capcom, et des jeux qui sont quand même restés pour beaucoup dans les annales. Et en 2003, il finit par fonder Game Republic, son propre studio, dont le premier jeu sera donc ce Genji, dont on va parler plus en détail. Mais petit spoiler, on est sur du jeu quand même assez exceptionnel pour une première production d'un studio qui vient de voir le monde 2 ans plus tôt. Et ce savoir-faire se confirmera par la suite sur les prochains projets du studio, puisqu'on le retrouvera notamment à l'origine des deux Dragon Ball Origins, hein, justement, sortis sur DS et qui ont été tout de même très appréciés, puisqu'ils étaient d'excellents hommages envers l'œuvre d'Akira Toriyama. Mais là, je suis déjà en train de digresser, donc on se recentre et on parle tout de suite de Genji, le jeu dont il est question dans cette vidéo. Avec cette production estampillée Game Republic, vous avez l'assurance d'embarquer pour un voyage au cœur du Japon médiéval. Car c'est bien ce que propose le soft en offrant aux joueurs un scénario se basant sur des faits réels, agrémenté d'un aspect fantastique leur octroyant une indéniable dimension épique. Le contexte historique n'est autre que la rébellion de Heiji, un conflit s'étant déroulé au XIIe siècle dans le pays du soleil levant. Au cours de cette guerre, le clan Taira remporta la victoire contre les aristocrates du clan Minamoto, devenant ainsi la seule grande puissance du pays. Initialement indécise, l'issue de la bataille ne fit plus aucun doute lorsque certains gradés du clan Taira utilisèrent les Amahagane, de mystérieuses pierres magiques au sujet desquelles la légende raconte qu'elles furent confiées aux anciens dont les descendants laissèrent, hélas, les précieux artefacts se disperser aux quatre coins du royaume. Le pouvoir octroyé par une Amahagane étant dépendant de la pureté de l'âme de son utilisateur, les voix tombé aux mains du clan Taira dirigé par le vil Kiyomori ne pouvait que mener au chaos. Et question chaos, le Japon a pas été déçu du voyage. Après la défaite des Minamoto, rien ne pouvait plus s'opposer au clan victorieux et commença alors une ère de désolation, marquée par des pillages et autres exactions dont les premières victimes furent les innocents du peuple. Pour ne rien arranger, Kiyomori cherche à augmenter un peu plus encore son pouvoir en récupérant toutes les Amahagane. Et pourtant, un mince espoir subsiste. Suite à leur défaite, les vaincus survivants se sont dispersés en petits groupes, vivant en ermite à l'écart de la menace représentée par le clan vainqueur. C'est l'un d'entre eux que vous incarnez, à savoir Yoshitsune Minamoto, fils d'un héros de la guerre contre les Taira, ignorant sa véritable identité, ayant été élevé sur le mont Kurama. Alors que rien ne semblait le destiner à endosser une si lourde tâche, une attaque du clan Taira visant à récupérer son Amahagane devait le pousser à embrasser sa destinée consistant à détruire la maléfique faction et renverser son dirigeant Kiyomori. Dans sa noble quête, il sera assisté par les Tamayori Bito, descendants des détenteurs originels des pierres divines dont le but est de veiller à ce que ces dernières ne tombent pas entre de mauvaises mains. Dans son périple, il rencontrera également Benkei Musashibo, un moine guerrier ne vivant que pour le combat et qui se joindra à lui pour renverser le tyran.
Bien que finalement assez convenue, cette trame scénaristique a pourtant le mérite de donner lieu à quelques jolis rebondissements. Mais son véritable atout réside pourtant dans sa mise en scène dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Mais avant ça, on va consacrer quelques minutes à un gameplay susceptible d'éveiller l'intérêt des plus blasés d'entre vous. Cataloguer Genji dans un genre particulier s'avère sinon impossible, du moins très difficile tant il emprunte des mécaniques à de nombreux types de jeux. Le premier contact vous fera penser que vous êtes dans un beat'em all, tout ce qu'il y a de plus classique, où vous devez diriger votre personnage dans des arènes reliées entre elles par des couloirs avec une caméra fixée dans un point précis de l'écran. Ce parti pris permet au soft d'éviter le piège des problèmes de visibilité qui étaient souvent légion dans les jeux d'action 3D qui sortaient à l'époque. Lorsque le protagoniste arrive dans une zone comptant des ennemis, celle-ci se verrouille et l'empêche de s'échapper. Il lui faut alors battre les différentes vagues d'adversaires qui se succèdent afin de pouvoir progresser. Les contrôles ont l'avantage d'offrir une prise en main immédiate tout en étant doté d'une certaine richesse exploitant à merveille le large panel de touches offert par le pad PS2. Premier constat, ces messieurs de chez Game Republic ont délaissé la croix directionnelle dans le domaine des déplacements en attribuant obligatoirement ces derniers au stick analogique. Il en résulte une grande souplesse dans les mouvements du héros, ce type de maniabilité étant parfaitement adapté à un jeu 3D. Yoshitsune dispose de deux attaques différentes, attribuées aux touches triangle et carré, qu'il vous faudra utiliser afin de déclencher des combos dévastateurs donnant lieu à un déluge de hits s'affichant à l'écran comme dans un jeu de baston. Par contre, petite parenthèse, les combos ne viendront pas de l'alternance entre ces deux touches et il vous suffira de marteler carré pour les déclencher. On aimera ou on n'aimera pas, c'est vrai que ça peut paraître un peu répétitif, mais le gameplay peut compter sur d'autres atouts dont on va bientôt parler pour y remédier. S'y ajoute le saut avec croix, d'ailleurs combinable avec les attaques pour un panel de coups encore plus large, l'interaction avec les éléments du décor via rond, et enfin la garde utilisant quant à elle la gâchette R1. Cette dernière deviendra vite indispensable en alternance avec les attaques, mais attention, en abuser, surtout contre les ennemis qui tapent fort, c'est l'assurance de la voir se briser et de vous retrouver totalement vulnérable pendant quelques secondes. Heureusement, vous pourrez la combiner avec croix pour effectuer des esquives tout aussi utiles pour pas vous manger les coups adverses. Enfin, la croix directionnelle permet en passant dans le menu d'assigner à chacune de ces touches un item qui sera ensuite facilement utilisable en combat. Alors si vous avez bien suivi et que vous avez fait le listing des touches, vous aurez pas manqué de noter que j'ai pas encore parlé de L1. Pas de panique, j'y viens et croyez bien que cette seconde gâchette est dotée d'une importance capitale puisqu'elle s'inscrit comme la pierre angulaire de ce gameplay qui, jusqu'ici, était plutôt rigoureusement classique. Je commence en précisant que l'interface in-game se montre aussi sobre que complète avec une barre de vie en haut à gauche de l'écran qui, une fois tombée à zéro, vous amène au game over et à la précédente sauvegarde. Mais c'est bien la seconde jauge présente juste en dessous qui nous intéresse ici, à savoir l'indicateur de Kamui se rechargeant petit à petit au fil des combats. Au début assez limité, cette jauge se retrouvera au fil du jeu divisée en plusieurs parties. Une fois l'une de ces parties remplie, la représentation de l'Ama Agane située juste à côté commencera à vibrer, signe que vous pouvez presser L1 pour utiliser le Kamui. L'écran change alors de teinte, l'action ralentit et les ennemis préparent un assaut. Le but de la séquence qui s'annonce est de fixer avec une grande concentration le personnage jusqu'à ce qu'un signal apparaisse, signe que l'un de vos adversaires se prépare à vous donner un coup. Presser la touche carré à ce moment précis, à la manière d'un QTE, déclenchera une contre-attaque dévastatrice qui tuera la plupart des membres du bestiaire d'un seul coup, voire même tous les assaillants s'ils ont l'outrecuidance de se jeter tous sur vous en même temps. Ce cas n'est pourtant pas le plus commun, et généralement, à ce stade de l'opération, il n'est pas encore temps de relâcher votre concentration. En effet, les ennemis présents dans la zone vous attaqueront à tour de rôle, vous offrant une possibilité unique d'en finir avec eux les uns après les autres, à condition bien entendu que votre timing soit suffisamment précis. Ce système de combat empruntant furieusement à Shenmue s'avérera salvateur contre des adversaires vous attaquant bien souvent en grand nombre et qui apprécient particulièrement de vous encercler pour vous en mettre plein la tronche. Mais surtout, il est carrément indispensable contre les boss. En effet, ces derniers, souvent dotés d'une barre de vie gigantesque et d'une puissance d'attaque du même acabit, auront tôt fait de mettre à mal votre santé si vous avez dans l'idée de vous battre en utilisant des moyens conventionnels. De fait, l'utilisation du Kamui représentera le meilleur moyen de réduire rapidement leur barre de vie. Attention cependant, plus l'ennemi sera coriace, plus le laps de temps alloué pour appuyer sur la touche de contre sera réduit.
contre les boss, forcément, vous n'aurez qu'une minuscule fraction de seconde pour réagir, et il vaudra donc mieux observer scrupuleusement leurs attaques afin de déterminer le moment précis où déclencher la contre-attaque, sans attendre l'affichage du signal qui arrivera toujours un petit peu tard. Bien entendu, un mauvais timing et vous vous prenez l'attaque adverse de plein fouet tandis que le Kamui sera immédiatement interrompu. Pas très pénalisant contre un ennemi lambda, mais contre un boss, un contre manqué mènera souvent à la perte du tiers de votre barre de vie. Pour terminer sur ce pan du gameplay, je précise qu'il est même possible de déclencher un second puis un troisième Kamui en pressant L1 lorsqu'un autre est déjà en cours. Cela aura pour effet de ralentir encore un peu plus le déroulement de l'action et donc de faciliter le contre au prix toutefois de la consommation d'une section de la jauge à chaque fois. Je termine en précisant qu'en plus du Kamui, vous disposez aussi d'un autre système de contre plus classique vous permettant, en pressant une touche d'attaque juste avant que votre ennemi ne lance son assaut, de parer et de contre-attaquer. Plutôt utile, et surtout indépendant des jauges que j'ai mentionnées, mais attention car timing irréprochable obligatoire une fois encore. Bref, que dire d'autre sur ce système de combat à part qu'il est tout bêtement jouissif ? On ressent vraiment l'impact des coups et on se prend finalement au jeu de réaliser de jolies chorégraphies ne laissant aucune chance aux adversaires, nous donnant vraiment le sentiment d'incarner un guerrier confirmé. On s'amuse tout simplement. Et pourtant, très rapidement dans l'aventure, vous découvrirez avec une grande surprise que le soft est en réalité bien plus que ça et se permet même de lorgner du côté du RPG. À chaque victoire contre un adversaire, vous récupérez en plus de quelques pièces d'or sur l'utilité desquelles on va revenir d'ici quelques minutes, des points d'expérience attribué en fonction de vos prouesses au cours du combat qui vient de se terminer. A titre d'exemple, un Kamui mené à son terme, c'est-à-dire ayant conduit à l'éradication de tous les ennemis présents à l'écran au moment de son déclenchement, offrira bien plus d'expérience qu'un simple martèlement basique de la touche carrée. De même, boucler un affrontement avec un compteur de hit au plus haut pourra être plutôt valorisant sur ce plan. Tous ces points s'accumuleront pour faire gagner des niveaux au personnage et monter d'un level confère de multiples avantages. Tout d'abord, cela aura pour effet de remonter vos jauges de vie et de Kamui à leur maximum, une bonne surprise qui pourra vous sauver la mise à plusieurs reprises, façon Goku en plein Genki-Dama contre Majin Buu dans le Kaioshinkai. Ensuite, chaque passage de niveau augmentera vos trois caractéristiques, en l'occurrence l'attaque, la défense et la santé. Ces indicateurs pourront également être boostés par des cristaux Dama Agane. Pour la petite histoire, ces derniers ne sont autres que des résidus de l'énergie des pierres ancestrales qui se sont transformés au fil du temps. Dissimulés au sein des zones de jeu, ils provoqueront une réaction au niveau de votre Dama Agane lorsque vous vous trouverez à proximité de l'un d'entre eux, se matérialisant par une brillance de votre pierre et une vibration du pad de plus en plus forte à mesure que vous vous en approcherez. Il vous faudra alors activer le Kamui afin de révéler la position exacte de l'item tant convoité, à moins bien sûr que vous ne préfériez frapper dans le vide jusqu'à ce que vous parveniez à le toucher. Attribuer 3 cristaux à l'une des caractéristiques que je viens de mentionner aura pour effet de booster cette dernière indépendamment du gain de niveau conventionnel. A vous de choisir donc si vous souhaitez voir votre personnage évoluer vers un combattant équilibré, une brute épaisse ou un tank doté d'une résistance hors du commun. L'évolution du protagoniste est donc au centre des débats, une caractéristique chère au RPG japonais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le menu accessible par un simple appui sur la touche Start à n'importe quel moment de la partie ne fait que renforcer l'affiliation avec le genre, puisqu'il ressemble furieusement à une version très simplifiée de ce qu'on pourrait retrouver dans un Final Fantasy ou un Dragon Quest, pour ne citer que les RPG les plus connus. Dans la partie gauche s'affiche un récapitulatif des stats du personnage, de ses finances, du matériel équipé et du nombre de cristaux en sa possession. Trois boutons placés en haut à droite permettent d'accéder à la gestion de l'inventaire, à l'attribution des cristaux aux différentes caractéristiques et enfin à l'écran d'équipement. Et oui, comme tout bon RPG, Genji fait la part belle à la gestion des armes. Yoshitsune peut porter 3 éléments simultanément, à savoir une armure, une arme et un accessoire. Les armures et les armes peuvent être achetées aux marchands présents dans les villes ou bien ramassées au sein des niveaux. Certaines armes très puissantes nécessiteront une commande spéciale auprès d'un forgeron qui vous demandera alors de lui apporter un certain nombre de matériaux pour la réaliser. Pour récupérer ces derniers, il vous faudra la plupart du temps utiliser des attaques Kamui contre les boss afin de couper certaines parties de leur corps qui pourront ensuite être utilisées par l'artisan pour concevoir l'atout offensif ultime. Pour finir sur les armes, on a d'ailleurs droit à un large panel et les différences ne concernent pas que la puissance, puisque certaines sont dotées de capacités spéciales, comme par exemple redonner de la vie au personnage quand il inflige des dégâts à l'adversaire.
Les accessoires, quant à eux, fournissent un certain nombre de bonus passifs en cours de combat. Pêle-mêle, on trouvera de quoi faire remonter graduellement la vie au fil des affrontements, accroître la résistance à la magie ou aux états normaux, etc., etc. Ces derniers sont en effet eux aussi de la partie, avec par exemple des attaques de glace ou de foudre qui vous laisseront paralyser quelques secondes si vous les prenez de plein fouet, ou du poison qui viendra ponctionner votre barre de vie en permanence tout en diminuant aussi vos autres caractéristiques comme la puissance d'attaque ou la résistance. Autant dire que ces joyeusetés pourront sévèrement poser problème dans certains combats un peu tendus, et il sera donc vivement recommandé, si c'est possible, d'opter pour une cure express avec l'item approprié si vous l'avez dans votre inventaire. Toutefois, il sera possible de booster votre résistance vis-à-vis de ces éléments en optant pour des armures ou des accessoires enchantés avec l'élément en question. Une caractéristique s'appliquant également aux armes et permettant d'infliger plus de dégâts à un adversaire vulnérable face à un élément particulier si vous équipez un atout offensif ayant subi un enchantement. Enfin, je termine avec les PNJ, ultime élément en provenance directe des RPG japonais. Et oui, dans tous les lieux que vous visiterez, vous croiserez, en plus des marchands et évidemment des ennemis, des personnages avec lesquels vous pourrez dialoguer pour glaner des informations et vous aider à progresser. Et voilà, après ce long point sur le gameplay, je pense que vous devez, tout comme moi, être bien emmerdé pour définir clairement à quel genre appartient Genji, avec sa jouabilité qui est un joyeux mélange entre beat'em all et RPG. Un mélange finalement plutôt inhabituel et qui pourtant fonctionne parfaitement en poussant constamment le joueur à continuer l'aventure jusqu'à son terme sans jamais lui faire connaître une quelconque sensation d'ennui. Et si ce constat positif doit beaucoup à la qualité du gameplay, il est hélas tout autant imputable au plus gros défaut du titre, sa durée de vie. On arrête le suspense, Genji c'est maximum 6 heures pour être terminé. Concrètement, vous serez amené à parcourir une dizaine de lieux par le biais d'une carte vous permettant de voyager via le déplacement d'un curseur. Très dirigiste, le soft ne vous laissera que très peu l'occasion de vous perdre, et les seules énigmes présentes consisteront en la récupération d'un item précieux au fin fond d'un donjon afin d'en déverrouiller une porte et de continuer la progression. Le titre n'est donc pas franchement difficile dans la réflexion, et pas non plus dans les combats d'ailleurs, qui deviennent rapidement plutôt faciles quand on commence à maîtriser correctement l'utilisation du Kamui. Bon alors par contre, il faut absolument que je vous parle du boss de fin. Rassurez-vous, hein, je vais pas vous le montrer ici pour pas vous le spoiler, donc vous allez devoir me croire sur parole quand je vous dis que c'est un véritable cauchemar à battre. C'est bien simple, il rassemble tout ce qu'il faut pour vous faire péter un câble. Une barre de vie totalement indécente, une résistance hors du commun qui fait que même un Kamui réussi ne l'entame que très peu, un timing hyper serré pour le Kamui justement, une vitesse tellement abusée qu'il peut vous foncer dessus et vous attaquer sans que vous ayez le temps de réagir. Ah oui, et puis quand il commence à vous taper dessus, c'est parti pour les combos en série et la barre de vie qui fond comme neige au soleil. Alors vous vous dites, bah c'est pas grave, il suffit de parer. Non, parce que si vous faites ça, il défoncera votre garde en quelques coups seulement. Et comme s'il n'était pas assez rapide, il est capable de se téléporter pour vous surprendre, ce qui le rend en prime très difficile à frapper. Bref, on va dire que vous avez intérêt à vous armer d'une bonne dose de patience pour en venir à bout de celui-là, et d'avoir votre inventaire qui déborde d'items de soins. Pour améliorer sa durée de vie, le soft peut heureusement compter sur plusieurs éléments venant booster sa replay value. Premier élément, une fois le jeu terminé, il vous sera proposé de sauvegarder la partie. Une fois de retour sur l'écran titre, vous pourrez recommencer l'aventure en mode continu et parcourir l'histoire en conservant vos niveaux et à peu près tout ce que vous aviez récupéré lors de votre première run, comme vos armes, vos armures, etc., etc. Vous pourrez aussi opter pour le mode difficile qui est son exact opposé et dont le nom s'avère parfaitement approprié. L'aventure vous imposera alors d'énormes contraintes. Pas de montée de niveau et aucun objet achetable dans les boutiques. Autant vous dire que là, si vous voulez du challenge, eh ben vous serez servi, hein. Second élément boostant la replay value, la présence d'un second personnage jouable. Eh oui, j'ai volontairement gardé le suspense jusqu'ici, mais sachez que vous pourrez choisir d'incarner Benkei qui offre un gameplay aux antipodes de celui associé à Yoshitsune. Alors que ce dernier est très véloce et maniable, le moine guerrier est quant à lui une véritable brute épaisse se déplaçant avec une lenteur atroce, mais portant des coups d'une puissance inimaginable. Enfin merde quoi, le mec, il se bat quand même avec une poutre. Son attaque associée à triangle consiste d'ailleurs en un balayage de zone idéal pour faire place nette dans les groupes d'adversaires, tandis qu'il lui est même possible de charger ses assauts en maintenant la touche appuyée plus ou moins longtemps pour en améliorer la portée et la puissance. Bien évidemment, sa résistance aux coups et sa barre de vie ont également été revues à la hausse par rapport à Yoshitsune. We'll be right back.
Mais les combats ne sont pas les seuls passages qui diffèrent en fonction du personnage, puisque l'exploration varie elle aussi en fonction du héros incarné. Yoshitsune, en utilisant son sabre, pourra sauter plus haut et se hisser sur les toits ou des poutres placées en hauteur, lui donnant ainsi accès à des zones de jeu inédites contenant souvent de précieux items. Quant à Benkei, lui seul pourra libérer des passages obstrués par des débris et ouvrir des coffres verrouillés en faisant appel, disons, à sa finesse légendaire. La grande majorité de votre périple sera jouable indifféremment avec les deux personnages, vous permettant de switcher entre les deux à certains endroits, bien que certaines séquences imposent l'utilisation de l'un ou de l'autre. Selon votre choix, vous aurez vraiment l'impression de redécouvrir l'aventure tant l'expérience est différente. Finalement, c'est une caractéristique supplémentaire héritée du Beat'em All 2D qui propose souvent un choix de personnages entre gros bourrins surpuissants et gringalets agiles autant que faiblards. Du coup, tout ça mis bout à bout, ça vous permet vraiment de passer du temps sur Genji si vous en avez envie. Et puis, il faut relativiser la durée de vie réduite du premier run. Pour un beat'em all, 5-6 heures, ça reste quand même plus qu'honorable pour un genre qui n'est jamais bien long et qui ne propose traditionnellement que peu d'exploration. Mais en proposant autant de possibilités en lorgnant clairement du côté du RPG, le soft en arrive à rendre le joueur plus exigeant qu'il ne le devrait sur des caractéristiques qu'il pourrait tout autant ne pas avoir, et qui aurait du coup peut-être été plus pertinente dans un jeu un poil plus long. D'autant que l'univers pousse vraiment à vouloir y passer un peu plus de temps. Eh oui, là encore, on va pas tergiverser. Genji est beau, splendide, magnifique. Vous avez compris l'idée. Faisant littéralement cracher ses tripes à une PlayStation 2 pourtant très en retard sur ses concurrentes de l'époque en termes de puissance brute, le soft jouit d'une réalisation technique de très haute volée basée sur une modélisation d'une grande finesse pour les différents personnages. Par ailleurs, le bestiaire jouit d'une variété plus qu'acceptable et se permet même de justifier sa relative redondance par l'habillage des ennemis et le contexte historique. Voir plusieurs samouraïs masqués et vêtus d'une armure typiquement japonaise s'attaquer à vous, finalement, niveau cohérence, ça passe beaucoup mieux que d'assister au déboulé d'une dizaine de punks identiques au pixel près. Les boss, quant à eux, ont pour seul point commun un aspect impressionnant et un charisme totalement dingue qui vous font réellement vivre ces affrontements comme si votre vie en dépendait. Les animations ne sont pas en reste et les combos de Yoshitsune font montre d'une telle majesté qu'on en arriverait presque à se croire invincible devant une telle grâce dans la gestuelle, allant même jusqu'à impacter les cheveux et les vêtements du personnage. Le dos de la boîte mentionne, je cite, « un système de combat captivant créé par les meilleurs maîtres d'épée, entraîneurs de combat et cascadeurs du Japon ». Croyez-le ou non, mais au vu du résultat, je serais plutôt enclin à croire les développeurs sur parole tant les affrontements semblent provenir directement des meilleurs films du cinéma asiatique. Cette immersion est en outre renforcée par des décors d'une beauté sidérante, comptant de splendides palais et temples japonais, de petites villes typiques du Japon féodal, des campagnes verdoyantes, l'ambiance inquiétante d'une ville décimée en pleine nuit et sous la pluie, ou encore une balade sous des cerisiers en fleurs dont les pétales volettent partout autour de vous. Le tout dans une véritable débauche d'effets visuels intervenant autant pendant les combats que simplement au cours de l'exploration. Cette ambiance est en outre renforcée par une utilisation assez fréquente de kanji afin, par exemple, d'annoncer un passage au niveau suivant, un game over ou de récompenser un Kamui réussi. Rien n'a été laissé au hasard et le plus petit, insignifiant détail semble faire partie d'un tout destiné à vous faire penser que vous vous trouvez au beau milieu d'un long métrage en provenance directe du Japon, jusqu'aux magnifiques cinématiques qui, aux côtés des dialogues, viennent scénariser la progression de bien jolie manière. La bande-son n'est d'ailleurs pas étrangère à cette immersion. La plupart du temps, vous devrez vous contenter de sonorités issues d'instruments à cordes traditionnels, qui s'éclipseront lors des combats pour laisser place à des thèmes plus toniques à grand renfort de tambour et de flûte, pour soutenir au mieux l'âpreté des affrontements. La possibilité d'opter pour les excellentes voix japonaises participe elle aussi à cette atmosphère parfaitement retranscrite, pour un résultat frisant littéralement la perfection. Finalement, la seule chose qu'on pourrait reprocher à Genji techniquement parlant, c'est un certain recyclage des environnements. Vous serez en effet à plusieurs reprises amené à parcourir les mêmes décors, tout juste légèrement modifiés pour atténuer la sensation de redondance. Ah oui, et puis petite précision supplémentaire, il faut bien reconnaître que le soft n'est pas non plus radin sur l'aliasing. Rien de bien gênant cependant, le titre restant un ravissement tant pour les yeux que pour les oreilles pour tous les joueurs qui s'y seront essayés grâce à une direction artistique totalement irréprochable.
Et en bonus, même la notice est vraiment jolie, présentée comme un vieux manuscrit avec de très nombreux artworks pour l'illustrer sur un total de plus de 30 pages présentant les personnages, l'histoire et toutes les caractéristiques de gameplay. Et ça, perso, ça fait partie des choses qui me rendent nostalgique. Bah oui, hein, à l'époque, on n'achetait pas que le jeu, mais aussi un objet, et moi, j'adorais pouvoir feuilleter ces manuels parfois très soignés. Aujourd'hui, si vous avez une pauvre feuille avec les commandes glissées dans la boîte, vous pouvez déjà vous estimer heureux. Et moi, et bah, cette tendance à nous forcer à acheter du collector pour avoir du papier dans le packaging, et bah, ça m'emmerde. Voilà, comme ça au moins les choses sont dites. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque là. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir une petite pépite de la PS2 qui est pas forcément parmi les plus connus des jeux de la ludothèque de la console, mais qui mérite amplement d'être découvert compte tenu de ses énormes qualités. Avec Genji, vous avez un jeu qui est beau à en pleurer. Alors forcément, je vais pas essayer de vous faire gober qu'il a pas pris une ride en 15 ans. C'est de la PS2, donc forcément, si vous le comparez au standard actuel, bah, ça va faire un petit peu pitié. Mais la direction artistique est tellement au top et vous avez une ambiance Japon féodal qui est tellement bien retranscrite qu'au final, bah, les faiblesses techniques du jeu et le fait qu'il est un petit peu vieilli, ça passe tout de suite au second plan. Et ça, c'est vraiment la marque des grands jeux. Derrière, vous avez également une histoire vraiment passionnante à suivre qui est basée en plus sur un contexte historique relativement bien retranscrit. Bon, évidemment, ça extrapole un petit peu, mais ça, vous aurez compris si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Alors, c'est pas un jeu parfait pour autant, hein. Vous avez le gameplay qui est somme toute très sympa, mais qui peut être un petit peu répétitif à la longue. Mais surtout, le plus gros problème de jeu là, c'est qu'il est ultra court. Alors, c'est pas un jeu très difficile, même s'il y a quand même certains boss qui vous donneront un petit peu du fil à retordre et qui vous obligeront à maîtriser les mécaniques de gameplay un peu plus que de bourriner sur la touche d'action pour en venir à bout. Mais malgré tout, il est quand même pas très long et c'est très frustrant puisqu'on s'attache tellement à l'univers et aux personnages qu'on aurait vraiment eu envie que ça dure un peu plus longtemps pour pouvoir en profiter un petit peu plus et puis rester dans cet univers parfaitement retranscrit. Ceci étant, si vous voulez retrouver cet univers, eh bien vous avez une suite qui est sortie en 2006 sur PlayStation 3. Alors je confesse que n'ayant pas de PlayStation 3, j'y ai pas joué à celui-là, mais malheureusement j'ai un petit peu feuilleté les pages virtuelles des internets pour me renseigner sur la teneur de ce nouvel épisode et il s'avère que bah il fait un petit peu l'unanimité contre lui, hein. Il a pas l'air d'être très apprécié des joueurs et c'est dommage parce qu'avec un premier épisode d'une telle qualité, s'ils avaient enchaîné sur un deuxième qui se situait au même degré de finition, eh ben ça aurait ouvert grand la voie à la création d'une série qui aurait pu devenir vraiment mythique dans le domaine du jeu vidéo. Au lieu de ça, malheureusement, Genji 2 a fait un flop, et il est assez peu probable qu'on voit un Genji 3 arriver un jour, d'autant que bah, Game Republic, malheureusement, a fermé en 2011, a priori à cause d'un endettement excessif. Et voilà! Clap de fin pour Game Republic, clap de fin pour la saga Genji, et clap de fin pour cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite dans les commentaires pour discuter du jeu si vous le souhaitez, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao !